était colère, le monsieur. Ouh là là là, il était colère. Ah ben, quand il est arrivé en panne près de chez moi, il était colère. Hein. Quand il m'a montré ça, il me dit, ça tombait bien, j'allais venir vous voir pour faire remplacer parce que j'en pouvais plus. Mais je pensais pas aussi vite dans ces conditions-là. Je l'avais acheté en 2019, donc elle était pas vieille, début 2020. Mais voilà, et il a cassé. Là, c'est force majeure. Il me dit, je pensais pas vous venir aussitôt. Donc voilà, mais il fallait que je replace, rien n'allait. Ah, je dis, ben, ça a été soudé et renforcé déjà, ça. Ah, ben, il me dit, ça casse trop vite. Donc voilà, il me dit, pourtant, c'est français. Je dis, non, le nom était français. Mais le reste, ça vient des autres pays. C'est pas cher, c'est normal. Ben voilà, eh ben, c'est bon pour remplacer. Je dis, même le timon, il a plié. Si vous avez mis quoi dedans? Ah ben, les bottes de foin. Ben voilà. Eh ben forcément, maintenant, elle marchera moins bien. Voilà. Et vous avez mis quoi comme budget? Ah ben oui, le gars, il m'a pas dit. Il vendait un peu de tout. Ah ben voilà. Vaut mieux vendre celui-là qui vend un peu de tout que celui-là qui vend rien. Ben regardez. Eh ben voilà. Et maintenant, vous venez voir un spécialiste maintenant que vous avez cassé. Eh ben, la prochaine fois, vous y penserez plus tôt. Eh ben voilà. Mais c'est un cas de force majeure que vous venez chez moi. Eh ben, on va vous donner quelque chose de bien cette fois-ci. Il dit l'auto, bah l'auto elle est bien les gars, et eh ben voilà, eh ben comme ça c'est fait aussi, et eh ben comme ça vous serez pour la prochaine fois, suite au prochain épisode.